Merci, merci pour l'invitation. C'est de ma faute, ils m'ont passé à fait surface. Je ne suis pas aveugle, je vois très bien ce qui se passe. Tu t'es plein d'eau, c'est la seule qui me fait cet effet. Je me suis piqué volontairement. Ouais, donc du coup, moi c'est 10, artiste du 94, précisément du Bois-l'Abbé. J'ai 30 ans et je suis un auteur-interprète. Qui fait de la musique urbaine. Mon parcours dans la musique, en fait, il est assez. En fait, je me suis lancé dans la musique par curiosité. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon premier son, je ne m'attendais pas forcément à me dire allez, je vais faire de la musique, en fait. Donc, ça a commencé par un son. Après, il y a une grande période où je n'ai pas fait de son. J'étais pas artiste. Donc on va dire que je me suis vraiment lancé en 2019 avec un premier son qui s'appelle Heureuse. Et après j'ai enchaîné avec deux EP, Discours volume 1 et Discours volume 2. Et là, ça fait un mois que la Distape elle est sortie, donc avec 10 sons qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Mon univers, je dirais qu'il est assez polyvalent, même si pour l'instant je fais beaucoup des sons love, on va dire. Mais même dans ça, j'essaye vraiment de faire des sons assez différents, avec différents univers. Donc je dirais que j'essaye d'être polyvalent et pour la suite, j'ai encore d'autres surprises que je réserve aux gens. Mes influences. Alors, il faut savoir quand même que moi, je suis un mec qui écoute beaucoup de musique US. Et même si aujourd'hui, la musique française, la musique urbaine française, elle est très riche. Mais principalement, j'avoue que j'écoute du Drake, du Ty Dolla $ign, Tory Lanez. Je sais pas si je le dis bien, mais tu connais. après, en France, on a. Après, moi, j'ai beaucoup écouté du Rof. Du Booba et actuellement Dadju, Franglish et Frenetic. Ça, c'est des sons qui. Actuellement, en tout cas, c'est ce qui me parle. Ah ouais, je m'entendais pas à cette question. Mon top 5 des artistes du moment, Jewel Usain en premier, un rappeur. Très très chaud, je le suis depuis un moment et je l'ai vu progresser, et c'est très très chaud. Tiakola, Alonso, Il m'en reste encore deux à caler, hein, c'est ça? Nino, et pour finir, je dirais Guy de Besba, je sais pas si je l'ai bien dit, mais. Voilà, pour moi, ce serait ça mon top 5. Mon feat de rêve. Bon, là, on parle international, on est d'accord. Ah ben, bon, on le sait tous, hein, c'est faire un feat avec lui, c'est le jackpot. Ce serait Drake, hein. Franchement, Drake, de ouf. S'il voit cette interview, il m'appelle, il me contacte, il n'y a aucun souci, moi je suis chaud. Ouais, donc en 2021, j'ai sorti déjà une Distape. 10 sons que vous pouvez écouter sur les plateformes. Hein, lâchez-vous, une ambiance été, rien que pour vous. Et fin d'année 2021, on va sortir le deuxième projet. Je peux pas en dire plus, mais le seul truc que je peux dire, c'est que ça va être sucré. Et beaucoup de sucre, donc attention au diabète. Ma punchline préférée, c'est. Putain. Ah ouais. Fallait que j'en trouve une en plus. Ma punchline préférée, ce serait. J'apprécie la solitude si ça m'empêche de payer très cher la mauvaise compagnie.
Pour moi, ce serait le punchline qui représente bien le truc. Ben ça, c'est de moi, en vrai. C'est une punchline que j'ai pensé, on va dire, par rapport à tout ce qui se passe dans la musique, le fait que des fois, tu peux être mal entouré et du coup, ça peut te desservir. Donc, j'ai trouvé que cette punchline, elle avait du sens, en tout cas quand je l'ai écrite. Après, je l'ai calée nulle part pour l'instant, mais en tout cas, c'est comme ça que j'avance. Toujours bien s'entourer et faire attention à avec qui tu traînes. Pourquoi t'es comme ça? Un extrait d'une musique à moi. Laissez-moi dans ma bulle, laissez-moi dans ma hype. Le combat n'a pas commencé, mais je suis prêt pour le fight. Je donne tellement d'amour dans mes sons qu'on peut dire que la musique est devenue ma wife. Voilà. C'est tout ce que tu auras de moi. Donc mes réseaux, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo 10-8 off, OFF. Sur YouTube 10 musique ou 10, normalement vous me trouvez direct. Et j'ai pas Twitter, non, il y a des trucs sur lesquels vous allez pas me trouver. Snapchat, toujours pas. J'ai fait un compte Snap, mais oubliez-le. Et voilà, en tout cas, c'est principalement là où on peut me retrouver. Le mot de la fin, c'est. Force à moi pour tout le monde. Peace. Merci à toi. Merci à toi. Que je recherche, j'aurais dû me méfier. C'est de ma faute, ils m'ont passé à fait surface. Je ne suis pas aveugle, je vois très bien ce qui se passe. Tu t'es plein d'autres, c'est la seule qui me fait cet effet. Je me suis piqué volontiers.